Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles téléspectateurs, grande est ma joie de me savoir au bon moment et au bon endroit avec vous. Nous vous aimons, nous vous témoignons beaucoup trop l'amour de Dieu. Dans ces instants, Mungunjo Chefu, qui veut dire Dieu est le chef, Dieu est le roi, c'est Dieu qui décide tout. Nous venons encore chez vous pour vous rappeler l'amour de Dieu. On rappelle toujours l'amour de Dieu, on parle de l'amour de Dieu, quand on dort, on respire l'amour de Dieu, quand on crie l'amour de Dieu, quand on mange l'amour de Dieu, partout, en tout et pour tout, l'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse et merci de nous avoir reçus chez vous et nous commençons avec vous aujourd'hui dans ce nouveau numéro où nous sommes en train de parler de la peur. La peur. Le prophète Esaïe dit, « Bannis l'inquiétude et la frayeur fuira loin de toi. » Bannis l'inquiétude et la peur fuira loin de toi. Mais il dit à Josué, « Ne t'ai-je pas dit ou donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. » Mais lorsque la peur vient, elle est une arme, une grande arme que le diable utilise pour nous détourner de la voie, pour nous détourner de la mission. La peur, lorsque tu veux te marier, tu as peur, tu t'es dit, je vais commencer avec quoi? Je veux le faire avec quoi? J'ai peur d'aller, j'ai peur de lui dire, j'ai peur de m'approcher d'elle, j'ai peur de m'approcher de lui. Enlève la peur, enlève ça. Cette peur ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas l'intention de te faire peur. Pourquoi est-ce qu'il te fera peur? Pour qu'en retour il gagne quoi? Dieu ne veut pas te faire peur. Dieu veut te voir réussir. Alors si tu as peur, tu ne réussiras pas. Lorsque Dieu envoie Moïse vers Pharaon, bien que la bataille était grande, mais Dieu a dit à Moïse qu'il va te résister, car je veux le rendre incrédule pour qu'il ne te laisse pas partir facilement. Mais quant à toi, va vers lui et libère mon peuple. Je n'ai pas dit que ça serait facile. Je n'ai pas dit que ça serait facile. Le Dieu de la Bible n'a pas dit que ça serait facile. Il a dit qu'on te fera la guerre. Il a dit qu'on va te résister. Il a dit qu'on va t'insulter. Il a dit qu'on va te rejeter. Mais il te dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Et je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Ce que tu fais de bon là, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Peut-être tu as peur, tu te dis, oh, ça ne va pas marcher parce que je suis seul. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il est avec toi pour te voir réussir. Il est avec toi pour te voir heureux. Il est avec toi pour te voir sauter de joie. Mais une chose est vraie, ce qui te met loin de Dieu, car la peur tend un piège à ceux qui sont de Dieu et détermine l'absence de Dieu. Si tu as peur, c'est que tu n'es pas avec Dieu. Tu es seul, mais Dieu t'a dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, car il est avec toi. N'aie pas peur. Car il est avec toi. N'aie pas peur, car il est avec toi. Tu n'es pas seul. Oui, je prie pour toi que Dieu te donne la force et la capacité de surmonter cette peur. Oh, si tu es là, tu vas dire avec moi, je n'ai plus peur. Car Dieu est amour. Et que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse Numérica TV. Qu'il bénisse vos maisons. Qu'il bénisse vos enfants. Qu'il bénisse notre beau pays. Même de partout où vous nous suivez. Que Dieu continue à bénir, car Dieu est amour. À la prochaine.